Salut à tous, ici Benji pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vicburn. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? On va faire une petite partie. On va faire du Rogue-Mole. Voilà, j'avais envie de. Tiens, je vais vous montrer le deck. J'avais envie de faire ça comme vidéo parce que je trouve que c'est un deck vraiment marrant. Voilà, alors je suis pas encore au point là-dessus, j'ai pas vraiment fait beaucoup de games, surtout en ladder, parce que c'est compliqué, il y a vraiment des decks qu'on peut pas gagner, c'est vraiment compliqué en fait. Alors, le but du deck est tout simplement de meuler notre adversaire, c'est-à-dire qu'en fait il faut lui faire piocher son deck, et en fait lui faire des points de fatigue grâce au Murloc qui fait piocher deux fois. Donc en fait, on peut lui mettre, et en fait, s'il est en fatigue, il va prendre un dégât, après deux dégâts, après trois dégâts, quatre dégâts, et ça peut aller très très vite. Donc voilà, un peu comme le match freeze, en fait, au début, ça va être surtout du tempo, le fait de lui faire piocher des cartes plus que nous, avoir plus de cartes que lui grâce au gang up, et donc du coup, tomber en fatigue moins rapidement que lui. Voilà, alors le deck, donc attaque sournoise, pas de l'ombre, prépa, tout ça c'est des sorts en fait qui vont servir à vider notre main rapidement, sans... parce que par exemple, si on fait un disparition, en fait on va rattraper notre main, et on veut pas avoir trop de cartes en main, parce que sinon bah, on n'a plus de place, on discarde, et c'est pas le but. Donc voilà, le but c'est de le faire à l'adversaire et pas à nous, voilà. Donc pas de pioche pour nous, sauf un petit Thalnos, parce que le Thalnos avec l'éviscération, bah, ça fait 5, c'est pas mal. Voilà, deux prophètes, deux robots, deux seigneurs de la mort qui donnent une carte à l'adversaire, et disparition. Deux épées dansantes, ça c'est... j'ai vu des variantes sans l'épée dansante. Voilà, moi je trouve que là de toute façon on va jouer en non classé, c'est juste pour montrer les mécanismes du deck. Je trouve qu'elle est bien dans l'esprit. Après voilà, peut-être que le deck a besoin d'être un petit peu optimisé. Je pense que c'est ces deux cartes-là qui peuvent être changées. Les autres sont trop importantes, ou les oracles aussi, des fois, ça dépend contre qui, contre aggro c'est bien, contre le reste un peu moins. Voilà, épée dansante oracle, ça peut bouger, les deux robots de Santique c'est obligatoire, disparaît, le reste obligatoire. Donc voilà, Thalnos aussi, peut-être il peut changer, il y a des gens qui mettent plus de pioches, c'est vrai que s'il n'y a pas les oracles, on peut manquer de pioches. Voilà, moi je trouve que l'esprit du deck, en fait, le deck n'est pas conçu pour être viable, ça peut pas marcher à chaque fois en fait, donc je pense qu'il faut vraiment aller à fond dans le délire pour pouvoir faire quelque chose de bien et de marrant. Si on le fait des trucs à moitié, qu'on essaye de le rendre un peu mid, contrôle, je suis pas certain. Voilà, bon après, encore une fois, je suis pas un pro du meule, vous allez le voir tout de suite. Hop, une petite classée en meule, donc sûrement on fera qu'une partie, c'est des games qui durent assez longtemps. J'ai beaucoup baissé aujourd'hui. Hein. Le badge Gilles n'a pas fait le boulot. Pourtant, il a parlé de monter en 10, je crois, et je devais être le 6 du mois. Et après, bon, j'ai fait une grande pause, mais. Ah, Thrall! Match-up intéressant. Faut pas qu'il soit trop aggro. C'est pas mal. Déjà, on a le Morlock, on est content. La prépa, je pense qu'on va pas la garder parce que. On n'a pas la pièce. Donc qu'est-ce qu'on veut contre Shaman? Contre Shaman, je pense qu'on veut un poison. On veut... ça. On veut Gang Up. Et on veut le pas de l'ombre. Allez, go. On a à bout de la combo. De toute façon, dans tous les match-up, on veut le Murloc. C'est la clé du deck. Donc, Murloc et recrutement. Ne pas faire un Murloc si on n'a pas le recrutement. Juste mettre un Murloc, faire piocher, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment... voilà. L'optimiser à 100%. Ah, ça c'est pas mal ça. Contre Shaman, c'est pas mal parce que soit il va le silence, soit il va le hex. Voilà, il a vraiment du mal à passer ça quand même. Donc en fait, enfin, notre but c'est quand même de meuler. Donc le but c'est de lui faire apporter une carte. Mais voilà, bon, un silence là-dessus. Ça reste une 2-8, ça contrôle le board. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait le coco? L'homme à la capuche. Ah, il va taper Fey, je pense. Donc là, clairement, il va nous mettre un mecha. Tour 3, qu'est-ce qu'il va nous mettre comme mecha? Là, 5 cartes. Je pense que là, on va mettre ça, parce qu'il pourra pas le gérer en fait. Il va taper dedans, sûr. La mort ne me fait pas peur. Ouais. En fait, il pourra pas le gérer, il va taper dedans, ça va booster sa créa, mais là, faut espérer top deck un assommé, qui est très fort dans cette situation. Voilà, on est plutôt pas mal, hein, ma foi. Enfin, pour l'instant, rien n'est joué, rien n'est fait, à part moi, pour ceux qui me connaissent.
Bon, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire, le coco? Démarrage! Méca-téléporteur. Portail connecté! Pas ouf. Il passe à combien, ce bâtard? Ah, 5. On peut pas faire des choses folles. On peut le soigner. On peut taper, soigner, ça sert pas à grand-chose. Le problème, c'est qu'on peut pas exécuter. En fait, je pense que là, le play, c'est d'utiliser la prep. Si on veut garder. Mais la prep servira plus tard aussi. Est-ce qu'on a envie de le tuer? Ouais, c'est chiant quand même. Tellement d'options. On va pas gang-up ça. Je pense qu'on est obligé, mais c'est dommage. Quoique, on est tour 4, bientôt on va jouer. On va jouer le Murloc bientôt. Est-ce qu'on préfère ce heal nous ou heal lui? 5 points de dégâts, il peut pas vraiment le faire. Je crois que je préfère me heal moi. Après, effectivement, on pouvait heal 2-3, mais le problème c'est qu'il va sûrement le Hex, il va sûrement le Silence, il va sûrement faire des choses dessus qui vont pas apporter. Enfin, qui vont enlever l'effet de heal. On peut toujours pas le trade. Là, on a un trade. Disparition, c'est pas mal. Donc, comme on a disparition, on va remettre ça. Après, on pourrait. Ça et gang up. Commencer un peu la combo, sachant qu'on a une disparition qui peut toujours pas le trade. On va voir ce qui pop déjà. Bien sûr. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'on a envie de lui donner tout de suite le Murloc? Parce qu'en fait le Murloc là, si on le met et qu'on le gang up, c'est fort, mais on peut pas le rejouer tout de suite. Et le problème c'est qu'il y a 22 cartes là. Je pense qu'on va tout simplement faire ça. On a une disparition, on va pouvoir le faire piocher. Disparition, faudrait qu'on ait un petit. C'est là où la prep va manquer en fait. Clairement, la prep va manquer à ce moment-là. On l'a fait parce que voilà, c'est un chaman mecha. Le chaman mecha. Ah, il joue ça, ouais. Ok, bon là, on peut pas trop le gérer. Je me gratte le nez, excusez-moi. Ah, on peut le gérer. Ah, mais si on fait ça, en fait, on peut pas. Voilà, pourquoi? Parce que là en fait je vous donne des cartes, tout simplement, j'espère piocher bientôt un autre Murloc, et en fait je prépare ma disparition en fait, tout simplement, c'est pour ça que j'ai préféré les faire baisser en PV, je pense que ça vaut le coup. Parce que là il commence à avoir beaucoup de cartes, même si c'est un mecha, et apparemment en plus il vient de piocher, donc voilà, je trouvais que c'est vraiment le moment de jouer ça. On est au tronc, oui effectivement, on s'en fout un peu. Il a pas de dégâts directs ce mec. Donc là, clairement, en fait, je vais faire quoi? Je peux faire prep. Est-ce que j'ai envie de faire prep? Je crois que j'ai plus envie de soigner lui. Il peut pas tout gérer. Alors, on a combien de mana? 3 et 3, 6, 7, 8, on peut pas. Donc en fait, je pourrais. Tellement d'options. Ça me paraît un bon play. Ça me paraît être un bon play, on va voir. Non, je pense pas qu'il joue la tempête. Je sais pas s'il va jouer la tempête. Là, en plus, par contre, la dispa nous redonne tout notre board. 5 est un peu dommage en fait. Mais comme on n'a pas le Murloc, là, on a envie de faire disparition sur le Murloc quand même. Là, je pense qu'il fait tempête. En plus, il a le bon totem, il fait tempête. Ah non. Ah si. Donc là, c'est fort. On n'est pas bien. Totem langue de feu. Allons-y.
C'est pas fou, hein. Ah là, c'est vraiment pas fou. On n'a pas eu nos Murlocs, on n'a pas eu, de toute façon, dans tous les cas, on n'a pas eu nos pas de l'ombre en fait, donc on a bien fait d'utiliser le Murloc tout de suite. Deuxième tempête de foudre, ok. Ça, on n'est pas bien du tout. Comment ça frappait le monsieur hein. Je pense que là on va tout disparaître, mais le problème c'est qu'il nous ferait un petit Murloc. Dommage qu'on peut pas le faire. Et je crois que c'est le... C'est qui... Ah, c'est lui qui... Ah merde, il va avoir le repop, donc je vais le tuer. Hop. Voilà. Yes. Ça, c'est bon. Voilà. Prochain tour, qu'est-ce qu'on peut faire? Murloc, Shadow Step. Je vais lui mettre... Il va mettre toutes ses cartes. Non, totem. Je vais l'en faire discard 2, déjà. Mais un totem, gars. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok, c'est bien ça. Excellent. Alors. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal. Trois, quatre, cinq. Je pense déjà il faut mettre ce pomme dégâts. Là il peut juste trade là, donc c'est chiant en fait. Est-ce qu'on rase le board ou pas? Il a 10 cartes, il reste 6 cartes. Je pense pas qu'on rase le board. Peut-être juste le méca téléporteur. Peut-être mettre... Ah mais là il peut être tout clean. Bon là je suis pas sûr de mon play, hein. C'est vraiment... Je suis pas certain du play. Ah, crépitement déjà c'est pas mal, ça évite des dégâts directs. 5 cartes à 12, c'est pas mal. Ça, je lui clean son board, y'a pas de soucis, j'ai ce qu'il faut. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Parfait ça. 2, 3, 4, 5 et 10. Parfait ça. Nickel. Est-ce qu'il va taper dans le Murloc? J'espère pas. Il va taper dans le Murloc. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Ça va, on est bien. Allons-y. On est bien. Après, peut-être faire un recrutement sur le Hillbot, ça va commencer à être intéressant. On n'a plus que 11 cartes. Ça peut se faire. Alors, le coco. C'est chiant ça. Ça c'est relou. Je pense que là le gang up sur le healbot va vraiment être utile. Il nous faut du heal, hein, c'est pour ça que j'ai mis deux prophètes. Voilà, donc là pourquoi mettre les épées dansantes bah, et que ça va faire tout simplement. On va pas shadow step ça, on pouvait pas à cause du Horeb. Horeb qui est très fort contre Rogue dans tous les cas. Tous les decks. Contre Rogue, mage, très fort. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? J'espère qu'il a pas trop de dégâts directs, c'est ça qui me fait peur. Prochain tour, je vais quand même shadow step ça. Ah, il le silence. Il veut pas qu'il pioche. Et lame de feu, ok.
Il trade ça. Et il fait bien. Ex ça. D'accord. Effectivement, là, il s'est remis bien. Là, il me faut un Murloc. Thanos. Nous avons soif de vengeance. Allons-y. Il a bien fait de me gérer le healbot, hein. Vraiment, là, il a très bien joué. Le problème, c'est que là, il a que deux cartes. Et bah, il va falloir du soin très très vite, là. Et je peux rien faire. Donc, on va voir. Là, j'ai mis de la pioche, j'ai envie de piocher, là. C'est chaud. C'est vraiment chaud. On va voir, on va voir, on va voir. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire de pire, là? Bah, d'où tu es, tout simplement, je pense, il tape là-dedans, il met déjà 6 points de dégâts, il doit en faire encore 7. À la Kyr, il a mis ses deux crocs. Ah, Docteur Doom. Disparition, please. Disparition, please. Ah, le mec. Il nous a permis d'avoir un tour, là. Ça, ça peut lui coûter la game. Disparition. Allez, ou un Murloc. Le problème, c'est qu'il peut pas te remettre au prochain tour. Il va nous remettre au rêve, ce bâtard. De toute façon, j'ai pas le choix. Je fais genre, je réfléchis, mais j'ai pas le choix du tout. Allons-y. On n'est pas bien, hein, parce qu'on a plus de disparition. On a encore un sap. Et là, surtout, il faut des Murlocs de toute urgence. Là, on peut gang up. En fait, on pose le Murloc. On gang up, comme ça on a 3 decks, 3 Murlocs en plus, et on essaye de leur piocher. Ah ouais, mais ça c'est chiant. Ça tu vois, ça c'est plus vrai casure, le mec il pioche. Cartes dans le deck. Attends, il a pris combien là? 2, ça veut dire qu'il prend 3 et 4, 7. Il faut que je te deck un autre Murloc. Sinon, je suis mort, je pense. 9. Ah, on a gagné! La meule. Yeah, ça fait vraiment plaisir de gagner en meule, quoi. Parce que je sais pas, c'est compliqué et tout, je sais pas, ça fait plaisir. Bon voilà, en espérant que vous avez un petit peu vu le mécanisme du deck, hein, c'est en non classé, mais voilà, ça vous montre un peu comment ça marche si vous avez envie de le jouer. En tout cas, je vous le conseille parce que vraiment c'est un deck super agréable et voilà, ça change. Je sais pas, il est intéressant, faut vraiment réfléchir. En plus, on peut adapter le deck, voilà, chacun peut faire un petit peu sa sauce, sa cuisine, quoi, donc c'est impeccable. Voilà, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, et puis, bah écoutez, pourquoi pas une prochaine. Allez, tchussi!